Je me nomme Alexandre Johannes et j'ai 11 ans. Je m'appelle Charlie La Liberté Laurent et j'ai 13 ans. Et nous faisons du patinage artistique. Charlie, Alexandre, comment vous avez commencé à patiner ensemble? Ben moi, je voulais en faire, puis quand je suis arrivée ici, il y avait Charlie. Puis lui, il voulait faire de la danse. Au début, ouais. Ah oui, tu voulais pas faire non, du couple? Non, ça me tentait pas. Ben, je sais pas, les portées, ça me faisait peur. On a réussi à le convaincre. Ma collègue Sophie, elle l'a pas lâché, elle l'a pas lâché. Puis Alexandre, ben depuis qu'elle est arrivée avec moi, qu'elle me demande, puis elle veut faire du couple. T'as-tu un partenaire, Annie? Puis c'est quand je vais faire du couple? Aussitôt qu'on a fait l'essai, on a tout de suite vu que les enfants étaient faits pour être ensemble. C'était pas deux patineurs que tu essaies de mettre ensemble, mais plutôt, c'était déjà un couple. On est premier au Québec. On a pas mal tout réussi notre année. On n'a jamais manqué vraiment un second pendant l'année. On a été constant. Charlie, la première fois que tu as enfilé des patins, c'était pas des patins pour du patinage artistique. Non. Mon père, il voulait que je devienne un bon défenseur à la base. J'ai joué au hockey en Europe 15 ans. La raison pourquoi mon fils est au patin artistique, ben, c'est que je pensais de faire un joueur de hockey avec ça. À chaque match ou à chaque pratique, à chaque fois quand je l'envoyais la puck à l'autre bout de la patinoire, ben, je faisais des spins, je tournais sur moi-même. Excellent. OK. Le gang, on y va une chose à la fois. OK? On est d'attaque, mais on est zen à l'intérieur. Ça marche? Excellent. Très beau pivot. Toi, ta jambe un petit peu pliée, hein, dans la rabaisse. Charlie, lui, c'est vraiment sa qualité de patinage. Il a vraiment une belle glisse. Alexandre, c'est une petite boule d'énergie, là. On voit pas ça souvent dans le patin, là. Quand on a ça comme coach, on est content, là. C'est une travaillante, elle est amoureuse du patin. J'ai même trouvé un poème qu'elle a écrit récemment, puis ça m'a vraiment touchée. Fait que vous voulez me lire un extrait? Ben, écoute, avec grand plaisir. Dans le fond, ça commence en disant « Patiner fait partie de ma vie. C'est sur la glace que je m'épanouis. Patiner, c'est un peu comme rêver. C'est là que je peux m'évader. » Chaque fois, je découvre en moi différentes forces qui font ma joie. Cette activité m'aide à me réaliser. Elle me pousse à persévérer. Est-ce que quand vous patinez ensemble, vous vous tenez, vous avez confiance? Moi, j'ai vraiment confiance en Charlie parce que je sais que si je tombe ou si, admettons, lui s'en fâche puis je dois tomber sur lui, il va faire tout pour me protéger. Elle drive beaucoup. C'est elle qui drive le couple. C'est elle qui est à l'entraînement, qui pousse le plus. Puis ça, je pense que ça fait d'eux une meilleure équipe et de lui aussi un meilleur patineur. Est-ce que dans votre chorégraphie, vous vous parlez? C'est plus moi qui parle. Je colle les trucs. C'est toi le boss? Oui. Aussi, admettons, je fais des rappels. Admettons, on tient nos bras, hop, pour changer de position. Ouais. C'est pas parce qu'on se voit qu'on change de position en même temps. C'est parce que c'est elle qui dit comme hop à chaque fois qu'on change. Hop, ouais. Ça, c'était beau. Tourne, solide. Juste en avant, Charlie. Hop, hop, en avant. Ouais, good job. C'est sûr que le patin artistique, là, quand tu regardes les athlètes sur la glace, là, ça a besoin premièrement des bonnes jambes, une bonne impulsion. On essaie de garder le plus longtemps possible les bras, les abdos de tête. Charlie va forcer avec ses bras, on descend tranquillement. Charlie, Alexandre, oui. J'ai besoin d'aide pour apprendre à patiner de un. Et en couple. Tu vas devoir placer tes bras comme ça. Ensuite, tu fais genre, tu essayes juste des petites poussées comme par en arrière. Je vais être prête pour ma prochaine compétition. Mais oui. Moi, je vais vous regarder les Australes à la place. Merci! Vous avez aimé ce que vous venez de voir? Eh bien, abonnez-vous à notre chaîne pour voir d'autres contenus tout aussi intéressants.